Sheet Bread Break Box numéro 5. On repart sur une petite boîte de trade. On en a déjà ouvert une tout à l'heure. On a vu quelques rookies sympas et c'est reparti. Et voilà les packs Train. Vous les connaissez maintenant. On est parti. Alors, Yusuf Nurkic à Portland. Yes. Ah, ça sent. Et oui, bingo. Denzel Valentine en rookie, superbe. Ah, une très belle award pionnière sur Mike. Chick Johnson, yes. Malcolm de l'année. Et Gigi Barrère, le lutin. Pas mal ce premier pack là, en ouverture directe. Pas mal de taux. Ah, j'ai vu une Diana. Gordon Hayward. Taj Gibson. Une height voltage côté Tipeee. Voilà pour Estelle, Juan Ramon Gomez et Jeff Teague pour les Pacers. Ok, on continue. Comment ça va, Utah Trail Lines? Kylori. Ah, une superbe floor general sur Stockton. Et Jonas Valanciunas. Je crois que les grands gagnants du pack vintage pour ce break 5, c'est New York. C'est un gros carton, c'est forcément Houston. Hein. Je ne rappelle pas l'année. Thaddeus Young, Marcus Smart, très sympa. Un peu de Wizards en front row seat. Très bien. Malte Chris, Brandon Knight. Right. Hop, on y va. Ça continue avec Antonio Davis qui était à la Nouvelle-Orléans. Attention. Wes Johnson, Clippers. En rookie, magnifique. Juan Hernan Gomez, on l'a. Ah oui, on l'a déjà eu, mais pas comme ça. Version parallèle. Très bien. Caris Lavert, on l'a vu. Goran Dragic, je crois aussi. On continue. Ce petit break. Elles sont pas mal, hein, ces cartes. J'ai vu vos commentaires, là, déjà sur Twitter, Dan Waiters, qui me dit que les cartes de base sont très jolies. Christophe Porzingis. Attention. Eh oui, une parallèle Gigi Barrière. Waouh. Dans la famille Relief, ils ont fait quelque chose de pas mal. Malik Beasley. Et Kawhi. Bon, c'est pas mal tout ça. On fait du gros nom, on fait des beaux parallèles. Il y a un côté qui est impossible à ouvrir. Ou alors j'ai les doigts qui fatiguent. Mike Conley, je crois qu'on l'a eu. Nicolas Vucevic. Ah. Petite parallèle à Utah. Très nice. Michael Brogdon et Puck Bucks. Et Patrick Beverly. On a déjà ouvert près de 500 cartes aujourd'hui sur ce breakbox. On a encore quelques beaux packs hein, à claquer. Calvary Pop. Andrew Wiggins, qu'il faudrait qu'il confirme. 8 Voltage, Derrick Rose à New York. Check Diallo. Et Damien Lillard. Donc, on est plutôt pas mal. Petite Tony, attention, c'est bien d'avoir ça. AJ Hammond, ça y est. Vous avez vu un peu, ça ressort, c'est propre. On continue avec une parallèle sur Monsieur Lamarcus Aldridge. Ayo Saric, on l'a eu en ouverture, Kendrick Christ aussi.
C'est pareil, ça c'est de la bonne monnaie d'échange pour les échanges justement, pour les trocs. Ce genre de cartes là, elles sont sympas, elles sont jolies. Dan Collison Hawkins. Attention, attention aux Nets. Oh, 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 oh. Sean Steele-Patrick Connect en signature. Je pensais même pas qu'on taperait une signature sur ce box là. Bon bah voilà, ça c'est fait. C'est une signature ce qu'on appelle stickers. Mais elle est plutôt ça, elle est belle, hein, elle est épaisse. Elle présente très bien. Eh ben, très bonne surprise. Dwight Howard, Atlanta, Moonstone, Isaiah, on l'a eu. Ah ben, assez content de sur l'avant-dernier pack. Vous voyez, comme quoi, je ouais, j'aurais pas parlé d'une signature, c'est pas garanti sur ces packs-là. Comme quoi. Robin Lopez, super coiffure. Avery Bradley, une petite parallèle de chaque. Je ne sais pas si on l'a pas déjà eu. Alors, Dennis Bertens et Aaron Gordon pour finir ce pack. Bon, je suis assez content de la signature, surtout sur les nets. C'est pas forcément courant. Donc, bonne pioche.